qui est vraiment destiné à une partie de notre population, c'est les jeunes. Moi, je plaisante pas avec les jeunes. Vous savez, j'ai une fille qui me dit toujours, quand est-ce que tu nous dis des tarifs pour les jeunes, etc. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais on sort une offre, justement, pour les jeunes. Et au Cameroun, on sait, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, d'ailleurs, les jeunes, c'est quand même une grosse part de la population, on doit dire. Hein. Voilà, si c'est le truc qui va aller... Ah, là, là, il va falloir accélérer, les gars. On n'arrive pas à cette vitesse-là, Orange Cameroun. Sortez-moi tout le slide, hein. Sortez tout. Allez. Ben oui, on est dans un pays qui compte 20 millions d'habitants, donc 30% de la population, n'est-ce pas, a entre 15 et 29 ans. 80% de ces jeunes-là urbains, semi-urbains, sont déjà équipés et aspirent à des évolutions d'usage. Ben oui, c'est normal. Quand vous êtes étudiant, quand vous êtes lycéen, vous voulez des plans tarifaires adaptés à vos besoins. Parce que nos petits jeunes, ben, ils ont des contraintes de budget, c'est en général papa-maman qui portent le porte-monnaie. L'ancrage est très élevé dans le mobile, c'est sûr. Ils veulent des développements de nouveaux modes de communication, low cost, le bill, le call me back, les appels chrono, vous savez, à la seconde, cours, des textos, combien de fois ma fille, elle m'appelle, bip ! Ça veut dire qu'il faut que je la rappelle, hein. C'est ça que ça veut dire. Et on est tous pareils, les jeunes. Voilà. Et les modèles actuels de tarification et d'offres de jeunes des opérateurs ne répondent pas à leurs besoins. Que ce soit les tarifs SMS, que ce soit les tarifs voix, bon, ils ne font pas beaucoup de data, mais vous verrez, les jeunes, ils feront de plus en plus de data bientôt. Donc, leurs attentes, c'est des textos, qui est le terme français du SMS, du social networking, des prix abordables, bien sûr, des prix et des offres downtown treatment et d'infotainment, du download, du surf, de la liberté, des appels illimités. Bah oui. Si on peut leur donner des limites, ils vont être contents parce qu'ils vont appeler soit papa-maman qui est à 500 km si je suis étudiant à la fac de Boya, ou alors je vais faire des appels illimités parce que j'ai la copine qui est, même si je l'ai vue pendant 8 heures à l'école, ils font les devoirs ensemble, etc. Ils vont pouvoir les appeler. Et puis bien sûr du multimédia en termes d'MMS, de vidéos, de push email. C'est ça les jeunes. Les jeunes veulent ça. Alors on a une offre depuis 2005 qui s'appelle YOR, n'est-ce pas ? C'était une offre de départ destinée aux jeunes avec des tarifs spéciaux, notamment le mercredi, le week-end, les jours fériés, avec des SMS à prix avantageux. Donc on va voir ça. Bon, Mamadou Mbeng pourra revenir sur cette offre si vous le souhaitez. Mais Orange School, c'est beaucoup plus que ça. Orange School, c'est vraiment un plan tarifaire qui correspond aux besoins des jeunes d'aujourd'hui. Orange School, c'est une offre extrêmement importante pour nous. Orange School, c'est une offre non seulement qui correspond aux besoins de nos jeunes, mais c'est une offre qui doit nous permettre de les fidéliser. Orange School, c'est typiquement une offre d'Orange. Vraiment. Et vous avez compris que dans School, il y a cool et school. C'est ça qu'il faut regarder. C'est que ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que nous, on a décidé d'être cool avec les jeunes et de leur donner, voilà, du tarif, de l'abondance, on verra pour les SMS, etc. On a une nouvelle vision du marché, effectivement. Nos jeunes, ils veulent de la techno. Grâce au téléphone, ils veulent rester en contact avec leurs amis et savoir quand il se passe quelque chose. Et s'ils avaient de l'argent pour acheter des unités parce qu'ils n'en ont jamais, ils se serviraient de leur portable tout le temps. Les parents ne sont pas forcément d'accord là-dessus. On est d'accord. Moi, si ma fille se trimballe avec son téléphone à 8 heures par jour, je vais lui enlever. Elle a 16 ans. Néanmoins, c'est comme ça, les jeunes. Les jeunes, ils vivent avec leur temps. Et le téléphone fait partie de leur vie quotidienne. Même s'ils sont au lycée, même si les profs leur demandent « Tu me coupes ton téléphone, s'il vous plaît. » Voilà. Alors, en cas d'urgence, les jeunes, ils bip, ils rappellent, ils rechargent au moins une fois par semaine. Voilà. Et on a bien segmenté tous ces jeunes. Vous voyez, il y a le youth, il y a le segment des young, les 15-19 ans. Il y a l'identification de deux segments chez les jeunes, donc les young et les students, un young actif de 20-29 ans. Oui. Alors, bon. Ça ne nous surprend pas. On a en fait les gens qui sont au lycée à peu près, puis les gens qui sont à la faculté ou dans les écoles de commerce ou d'ingénieur. Voilà. Nos jeunes. Alors pour mieux répondre à l'attente des jeunes, effectivement, eh bien, on a sorti avec Orange, on a sorti Orange School, qui répond à tous ces mots-là, un peu fashion, c'est-à-dire fashion, yanga, fun, crazy, nice, enjoy, sympa, moving, magic, cute. Cool, Orange Cool, c'est ça qu'il y a derrière.
C'est vraiment une journée très importante pour nous. Bon, hier, nous l'avons présenté au personnel. Le personnel est quand même très intéressé. Ça fait partie de nos actions sociales aussi. Je pense qu'on était hier au Douala Bercy. Et moi, je ne sais pas, mais il y avait une personne, mais moi, je suis content. 300. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens se déplacent pour des offres stars, des offres stratégiques. Notre personnel s'est déplacé pour bien comprendre ce qu'il y a derrière Orange.